Le printemps est presque à nos portes et qui dit printemps dit évidemment temps des sucres. On vient donc faire un tour à la cabane à sucre Constantin à Saint-Eustache où se déroule une séance photo avec Maxime Roy pour la chronique Beauté de Star du magazine 7 jours. On discute mode et sirop d'érable avec la comédienne. Maxime, un shooting photo à la cabane à sucre, c'était ton idée? Est-ce que t'as la dent sucrée? Oui, très. Je voulais quelque chose qui me ressemblait, plus décontracté, plus campagne, parce que je fais de la campagne, puis c'est ça. Fait que, puis là, ben, cabane à sucre, ça fait bien mon affaire, parce que je vais m'acheter des sucreries avant de partir. Est-ce que c'est un incontournable familial pour toi chaque année, la cabane? Non, ça fait longtemps que je suis pas à la cabane à sucre, ouais. C'est mieux que j'y aille pas. Oui. C'est dangereux. Vraiment, là, c'est... J'ai un problème. J'aime trop le sucre. La tire! La tire avec un café, là. Y a-t-il quelque chose de meilleur que ça? Quand même. Donc, ça, je pense que je vais trouver un groupe pour aller en parler, parce que... J'aime le sucre. Bonjour, mon nom est Maxime Roy, et j'aime le sucre. Quel est ton rapport avec la mode? Oh mon Dieu, que j'en ai pas! J'ai aucun rapport avec la mode. Je suis pas quelqu'un qui suit la mode vraiment. J'y vais par feeling. En fait, j'aime ça m'acheter des revues. Je trouve que des revues de mode, ça sent bon. Il y a plein d'annonces de parfums. Puis quand j'étais au cégep, j'avais pas d'argent pour m'acheter du parfum. Je déchirais les trucs de parfum dans les. Puis je me frottais ça sur moi. C'est vraiment... Oui? OK, je suis pas toute seule. Fait que, mais moi, ça fait que j'avais vraiment pas les moyens de m'acheter du parfum. Est-ce que ton look au quotidien est très différent de celui qu'on voit à l'écran ou sur les tapis rouges? Genre, oui. Oui, c'est toujours la réaction des gens font comme... Ah, oh, mon Dieu, OK, t'es bien différent. Ah, mon Dieu, t'as l'air plus jeune en personne. Ou... Oui, j'ai souvent des filles assez straight ou... un peu madame, entre guillemets, là. Ça me ressemble pas du tout, tu sais. Puis pas quelque chose de... Tu sais, rien... J'ai pas de problème avec ça, mais c'est des personnages, puis ça, c'est pas moi du tout. Mais c'est le fun dans ce temps-là. C'est comme... Ça te permet vraiment d'aller ailleurs puis d'être vraiment quelqu'un d'autre que toi pendant le tournage. Ça me plaît. Et c'est quoi tes sources d'inspiration? As-tu des icônes de style? Une britannique? Non! C'est comme une... Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Alexa Chung. Oui. Voilà. Oui. Ça, elle, je la trouve vraiment cool. Je la trouve vraiment sharp. D'ailleurs, mes cheveux, il y a 2 ans, j'ai fait exactement... Je l'ai copié totalement. Je me suis fait faire le ombre qu'on appelle, là. Mais j'ai fait ça il y a presque 3 ans, tu sais. J'ai fait ça dans mes cheveux parce que je l'avais vu. J'ai fait, hey, cool, cette fille-là, tu sais. Quand je veux avoir des espèces d'inspiration, j'achète des revues de Londres. C'est plus là que je vais, tu sais, que j'y trouve vraiment à l'avant-garde, puis je vais plus là-dedans. As-tu un plaisir coupable en matière de mode? J'écoute l'émission avec Joan Rivers, là, puis Kelly Osbourne, Fashion Police. J'avoue que je regarde ça, puis je trouve ça... Très drôle. On t'évolue sous les projecteurs depuis déjà quelques années. Est-ce qu'à un certain moment, tu as senti que tu étais esclave de ton image, que tu devais absolument y correspondre aussi dans la vie de tous les jours? Oh boy! En fait, j'ai toujours été contre ça. J'ai toujours essayé d'aller contre l'image qu'on pouvait avoir de moi parce que, tu sais, à un moment donné, je sais qu'on m'offrait plus des rôles de... Ça serait quoi le mot? Pitoune. Ouais, quand j'étais beaucoup plus jeune, là, dans ma vingtaine. Puis là, je me disais, mais je veux pas jouer ça. En fait, pas tout le temps. Puis moi, je suis pas comme ça. Fait que je faisais vraiment un effort dans ma vie de m'habiller comme, tu sais, vraiment plus tough, plus. Moi, à l'inverse. J'allais vraiment à l'inverse pour essayer de contrer cette image-là. Puis je pense que quand on est victime de son image, justement, on n'est pas capable de sortir puis d'imaginer un comédien ou une comédienne d'une autre façon. Donc, j'essaie, tu sais, je me coupe les cheveux, j'essaie tout le temps de changer, tu sais. Je change ma couleur, j'essaie de... J'engraisse.
ce qui n'est pas très difficile. Je prends un petit 20 livres, comme ça, je le repère. Tu sais, je garde les gens on their toes, là, tu sais, se demander. Oh! Elle a pris mes livres. Oh! Mon Dieu, elle est différente. C'est ça. Retrouvez Maxime Roy dans la série O les mardis à 20h à TVA. C'était Marie-France Pellerin pour 7jours.ca.